Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du temple Bongwangsa à Séoul. Le temple a été fondé en 889 lors de la troisième année du règne de la reine Jinsong sur le terrain du palais Yonhui qui abrite aujourd'hui l'université de Yonsei. Le temple a déménagé en 1748. Le temple fut détruit durant l'invasion japonaise en 1592 et a été reconstruit en 1748 sur l'emplacement actuel où il se trouve. Le roi Yongzhuo lui-même a écrit la calligraphie pour le nouveau nom du temple. Le temple fut en partie détruit lors de la guerre de Corée en 1950 et en 1966 reconstruit petit à petit. Vous pouvez également voir dans ce temple le rituel bouddhiste Yongsanje, qui a pour but d'apporter la paix dans le monde et la réunification coréenne. Ce rituel fait également partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2009. Si vous souhaitez assister à ce rituel, il a lieu tous les ans le 6 juin. Vous pourrez également apercevoir un grand hall qui abrite 3000 statues de Bouddha. C'est ici que s'achève cette vidéo sur Bongwangsa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait pour plus de contenu. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. Bon week-end à vous!